Évidemment, la société foncière logistique a trébuché hier, vendredi dernier, plutôt en bourse. Le contexte ne lui est guère favorable depuis le début de l'année, avec moins 15% de pertes sur le titre. Oui, c'est compliqué en fait depuis Argan, depuis on va dire la fin du mois de septembre et la sortie par le bas et la rupture de cette zone de support à 66,81. Cette zone contenait jusqu'à présent l'évolution des cours qui marquait un plat. Le problème, c'est que ce niveau a été enfoncé à l'aide d'un gap baissier. Ça, c'est un premier signe de tendance et surtout, ça fait maintenant 2 fois qu'il teste ce précédent soutien en tant que résistance. Ça veut dire donc qu'on a une polarité qui se met en place, et ici, lorsqu'on a ce type de polarité, de support qui se transforme en résistance, bah, c'est qu'on serait sur une phase de tendance ici, donc une tendance baissière. Le risque, bah, c'est de reproduire la même jambe de baisse que ce que l'on a fait courant septembre, à partir du point haut marqué à 66,80, ce qui renverrait les cours de façon assez rapide, a priori, sur les supports à 61,24, 58,32, et puis après, bah, peut-être plus bas plus tard, puisqu'on serait alors en tendance baissière.